Je vais te montrer le deuxième champ de tir. Et je te parle pas de ma femme. Hop, allez, direct à gros yeux celle-là. Oh bordel, il y a une touche. Oh, il y a une touche. Ici, hein, et je t'ai vu, c'est pour t'aider. Hein? Faire un reportage sur les pêcheurs? Ah ouais? Eh bien, je vais te montrer c'est quoi un vrai pêcheur. Je me présente du coup, je m'appelle Kevin, je travaille dans le BTP. Et ma petite plaisir, c'est d'aller à l'Alpec le week-end ou en semaine quand j'ai fini le boulot. Ah bien, je vais te montrer comment ça se passe sur l'Alpec. Alors déjà, première chose, c'est le confort. On met les tatanes. Hop, voilà, t'enfiles les tatanes, on est plus de confort pour l'Alpec. Et après, j'ai installé tout le bordel, quoi, hein, bien sûr. Prends notre caillelle, hein. Bon, t'es prends une caillelle, hey, c'est très simple. Hop, allez, t'arrives là, paf. Ça, c'est le champ de tir. Puis je vais te montrer le deuxième champ de tir. Et je te parle pas de ma femme. Je sais où il y a tous les hameçons et tout le bordel si t'es connais à l'Alpec. Bien sûr, hein. T'oublies pas le canne à pêche. Parce que si t'es pas à l'Alpec et puis que t'as pas de canne à pêche, bah t'as l'air con. Et là, je vais te dire l'indispensable. Tu vas l'entendre, tu vas voir. Écoute ça. Toi, tu la reconnais, ça. Il en faut une paire quand même. Elle est quand même là toute l'après-midi. Et j'espère qu'il n'y a pas toute une équipe qui va venir. Hein. Parce que j'ai pris que 3 packs. Hein. Et c'est pour normalement. C'est pas dit. Ils ont un chien de chasse, les chasseurs. Ben, j'ai mieux. Viens ici, Robert, viens te chauffer. Je te présente. Mais un chien de pêche. Je peux te dire, il va chercher les poissons dans l'eau. Allez, reste calme, fu. C'est pas encore l'heure du goûter. Prends tes croquettes après, ma grande. Avant tout, chez papa qui doit commencer. Hop. T'arrives, bordel qui, par Dieu, elle était coréenne celle-là. Hein, ça fait du bien, charmer le moral à 100%. Et là, on va monter le canne à pêche du coup. Fais pas comme ma copain Thierry. Ma copain Thierry, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il s'emballe déjà 5 avant de monter le canne à pêche. La dernière fois, il l'a monté à l'envers, il a rapéqué. Ah, j'ai un sport à l'pec. Hein. Mais je viens de monter le canne, là, je reprends des forces. Hein. Et une fois que t'as monté de ligne, hop, mets ta pied dessus, puis t'attends. Ouais, puis t'attends. Je le dira pas à tout le monde, mais j'ai une petite astuce. Fais de l'amorce. Puis chez PQ, ils diront, ouais, mais de l'amorce, c'est fait avec du riz et tout, de salade et tout. J'ai de la vraie amorce. Regarde, chaud. Hop, pas plus. Il en a assez. Tu vas voir, le poisson, il va arriver. Puis t'attends. Hein? Qu'est-ce que t'es dit? Chamor ou ça suce? Ha! Bah, chamor, pas beaucoup, mais par contre, ça suce, hein. Mon Dieu, j'ai une touche. Mon Dieu, gatcha. Mon Dieu, je suis tombé bien, je n'en vaux plus. Impeccable, je n'en vaux plus. Hop, allez, direct à gros yeux celle-là. Désolé le télé, parce que la semaine dernière, Patrick était là-bas. Il a pêché un brochet plus grand comme ma bras. Et là, il n'y a rien. Arrangement qu'on a pêché une bière, parce que alors là, il n'en vaut plus. J'ai tous les quais. Bordel, c'est long, hein. C'est long. Oh bordel, il y a une touche. Oh, il y a une touche.